Je vous invite à présent à faire la connaissance dans le focus spécial Football Explorer d'un footballeur ivoirien évoluant en Norvège. Il a 22 ans, son nom, Frank Boli. Cette fin de saison des championnats internationaux rime avec vacances pour les footballeurs. C'est l'occasion pour nous d'explorer Abidjan pour rencontrer ceux qu'on appelle les pros au quartier. Sur ce terrain vague à Yopougon, Maroc, Frank Boli a retrouvé ses amis d'enfance avec qui il a joué pour certains à l'école de football de Teijuel. Frank évolue à Aulesund en Norvège, un pays qu'il a connu en 2012 quand il signait à Stabæk. Après une saison en Chine, il a retrouvé la Scandinavie. Frank Boli est un attaquant, il s'est livré à nous. Depuis le bas âge, mon premier rêve, mon premier objectif, c'était de devenir professionnel footballeur. Donc j'ai atteint ça, après ça, il y a d'autres objectifs. Donc je dis, je ne suis pas encore satisfait, mais c'est petit à petit, hein. Je suis encore jeune, j'ai du temps, donc voilà, quoi, je vais pas me plaindre. En tant que footballeur, tant que tu es au meilleur de ta forme, tu peux faire des choses merveilleuses. Donc je pense déjà, ça c'est la base, être au meilleur de ma forme. Et puis voilà, jouer tous les jours, c'est-à-dire chaque dimanche, chaque week-end et tout, voilà quoi, je pense que c'est ce qu'un joueur demande en fait. Aujourd'hui, je vais dire que je suis satisfait de ma prestation en Norvège parce que avant de partir en Chine, j'ai été le meilleur buteur de mon club, l'un des meilleurs du championnat. Je suis bien connu en Norvège. Quand je suis revenu en prêt, tout le monde, il y avait les caméras et tout le monde me demandait, tu vois. Donc je pense que c'est plutôt satisfaisant mon passage en Norvège. Ouais. Ouais, plutôt bien. Je suis en prêt et je pense que cet été-là, je vais partir. Je fais partie de ce club-là où je suis, mais voilà, je suis en prêt, ça se passe bien, j'ai marqué des buts pour mon club, tout le monde est content, ça se passe bien, le coach il a confiance en moi et puis voilà, quoi, je pense qu'il n'y a pas à demander mieux, je pense que tout se passe bien. Les Ivoiriens savent voyager, désormais jusqu'aux endroits les plus insoupçonnés de la Terre, on peut retrouver un footballeur ivoirien qui trace sa route. Aujourd'hui, Franck a le regard tourné vers les championnats européens les plus médiatisés. J'ai des propositions, j'ai des offres et tout, mais voilà quoi. Cette fois, je pense qu'il va falloir que je fasse le bon choix. Parce que j'ai pas fait le bon choix quand je suis parti en Chine, je pense. J'aurais dû partir dans un championnat où je pouvais encore me développer, mais j'ai plutôt opté pour autre chose. Mais bon, voilà, là, je suis de retour et voilà, bientôt, je pense que je vais quitter le club là et aller dans un championnat plus médiatisé, genre France ou Espagne ou whatever. Voilà.